J'ai parlé avec lui une heure, peut-être, au téléphone. Une heure. Toutes les fois, depuis que je suis ici, où il n'est pas venu, c'était à chaque fois pour des petites blessures, des petits pépins, ou le club qui ne libérait pas, parce que, vous vous en souvenez, au mois de mars, les joueurs de Metz, de Lyon, ils ne sont pas venus, y compris Lens, parce que les clubs ne les libéraient pas en France. Sur cela, Seco, c'est sa décision qui lui appartient, il faudra peut-être lui poser la question. Et je vous dis, je ne veux pas de polémique, moi je veux toujours protéger les joueurs. La seule chose, c'est qu'à un moment donné, la question, je savais qu'elle allait sortir, parce qu'il fait des matchs énormes, et lui aussi. Et ce n'est pas pour faire le buzz, on n'a pas le temps pour ça. Mais sa décision, c'est de donner priorité à son club, puisqu'il joue beaucoup, beaucoup, beaucoup de matchs. C'est un joueur, vous le voyez sur le terrain, qui a un gros abattage. C'est une date FIFA, non ? Comment ? C'est une date FIFA. Oui, mais son choix, on ne peut pas forcer quelqu'un à venir. C'est son choix. Moi, je me dis, au moins, est-ce qu'il y a des matchs ? Ben, match. Il veut peut-être, peut-être profiter de ses 10 jours de pause pour récupérer, pour être performant. Il a peut-être des objectifs avec son club. Aujourd'hui, ils sont européens. Il se pose la question, il y a la CAN. Est-ce que si je pars à la CAN... Ça, c'est moi qui vous le dis. Je ne sais pas. En tout cas, c'est un échange comme vous et moi, avec beaucoup de respect. Franchement, j'adore Seco. Et il me l'a dit. Il m'a dit sincèrement, on change de coach. J'envoie le coach de Lens ici. Et vous, êtes à Lens. Il n'y a aucun problème avec mes frères. Il n'y a aucun problème avec la Fédé. Mes parents me poussent à ce que j'y aille, mais mon choix actuel, c'est que je me concentre sur mon travail parce que je me sens bien comme ça. Rajouter des charges de travail, si j'explose, peut-être qu'après, c'est, voilà, il veut donner priorité à ça.